While students have begun writing the GCE general examinations, these are technical students who are not left aside, as they have also marked present for the start of the GCE technical, baccalaureate and CAP exams. Ms. Mafani Paul Mbase, Chief of Center of GTHS Molikoboya, says no problems have been encountered, though there is an increase in the number of candidates this year. Today, everything took off well, smoothly. In terms of the statistics, for the CAP examination, I have 353 candidates. For the GC, I have 164 candidates this morning. And for the BAC examination, there are 200 candidates. Well, there's an increase in the number of candidates who are writing. To Mr. Francis Ngondo, Southwest Regional Delegate of Secondary Education, no delinquent behavior has been encountered so far. The weather has been very good from yesterday when the GC started. Today we've started CAP exams and everything has been going on well. This center has over 700 candidates. We have noticed a serene atmosphere and all is calm. Beginning with Lauren Goffman, though to some candidates it was fine, others saw it a little bit tough. No, it was good. We thank God at least the setting was at our reach. It was fine, not too bad. It was a little bit tough. Over 700 candidates are writing in this center, which runs three different technical examinations, all in an atmosphere of peace and order. We made a statement that many of our students could not find a way out to be employed in corporations and other enterprises. So we decided to install those forums to make possible some exchange between, in one side, the student, and the other side, the businessman, in order for the businessman to express what are they need in terms of skills, and for the student to show what they are capable for. That's the main idea. What are your expectations? The expectation for us is that all the people involved in that event should come out with, for the student, a clear view of what is waited for them, what the enterprises are expecting from them as in the field of skills, and for the entrepreneurs to know what is the real skills that we are trying to furnish through education in IUT Douala. Visual impairment is far from being an obstacle to education. Claire Proof are these visual impaired students who joined their counterparts this day to write the Francophone General Baccalaureate examinations. Carl Kamga, student in Konsamba in the Mungu Division, traveled to Douala to take part in these exams in the CEJOS, Lone Host Center for Visual Impaired Examinations in the Douala region. The distance and some difficulties faced in the course of the year could not discourage him from attaining his target, that of writing the exams like other students. Contrary to what many believe, visual impaired persons can do many things in life. In this 21st century, people are not supposed to be surprised by what visually impaired persons can do. But in the country today, many people do not believe that visually impaired persons can do many things. Their writing materials may be different from that of other students, but the examinations are strictly coordinated and follow up. Their question sheets, timing, papers are normal. They are like other students, though treated differently. In a bid to keep the Douala One municipality clean as the rainy season approaches, the Douala One Council has this Wednesday, June 1, launched the third edition of a sanitation campaign to give the town a positive image. Nous sommes dans une société innovante et nous pensons que pour cette troisième édition,
We are in a modern society which requires that our cities be kept clean. Living in a dirty environment is not good for the health and the society. To live a healthy life, we must be clean. Ne permet pas une bonne évolution des choses. Given that the second campaign wasn't successful, the Douala One Council believed that with a collective effort, this third campaign could be successful. On n'a pas réalisé ce qu'il fallait à 100%, mais pour cette troisième édition, we were not 100% satisfied with the result in our last operation. That's why we have taken every necessary measure to attain our objective in this third operation. We are calling on the population of Douala One to get involved in this cleanup activity to give our town a positive image. The cleanup campaign to be carried out weekly with Wednesday as a chosen day from 6 to 9 a.m. It is hoped to keep the population safe from malaria infections. The June parliamentary session, which begins on Thursday, the 2nd of June 2016, is posing as a threat to some opposition political parties who fear the constitution of the country will be changed. They think it is abnormal for the session to begin during the first week of June, unlike stated in their standing order. It's clear that is another hold-up that they are going to do again concerning our constitution. We are aware of that. A member of another opposition political party has debunked the claims of a possible constitutional amendment, but say his party is on alert. If this session is held and it happens that there should be a constitutional amendment, and the constitutional amendment is a consensual constitutional amendment on which all the political opposition parties have been clamoring for, it is not an issue where it is the CPDM, because we all know that the CPDM can never amend any constitution that will really guarantee the interests of the entire nation, except to favor an individual. The speculations on constitutional amendments notwithstanding, the College of Opposition Political Parties have been urged to continue monitoring the activities of parliamentarians and the government as a whole. At all the times, this government can modify the constitution. This party, standard party, have to continue the pressure. Parliamentarians look forward to deliberate on bills that will be tabled during this session. Meanwhile, the standoff for Cameroon members have pledged not to relent their efforts as the session unfolds. Before this 1st of June 2016, the process of tax payment by companies engaged with Cameroon's public contract sector had been considered as complex. But after the introduction of the e-filling of public procurement approach this 1st of June by the General Directorate of Taxation, delivery of tax paid receipts have been made simple. Before this procedure, they have to go twice to their center. First of all, to declare, and after that, to pick up their receipt. And with this procedure, they will go once. And then they have gains of times, and it's very interesting. The e-filling of public procurement method is a reform in the taxation system which answers to the call made during the first ever International Economic Conference on Business Investments in Cameroon on the necessity for Cameroon to improve on her online registration process. Time is money. I tell you that time is money. Going to the tax centers twice or three times, and now going once, we have gain of times. The one who takes taxi to go there twice or three times, it must cost lost. And after that, the documents that the bank would deliver, we are discussing with bankers to have less cost than they are doing now. The e-filling of public procurement method has been launched this Wednesday in Yaoundé, Central Region, Cameroon, for a start, before its extension to other regions in the course of the year.
with the vision for smallholders palm oil plantations to become drivers of sustainable development. This workshop, organized by an NGO in partnership with the Cameroon government, which brings together various smallholders corporation as they form an important part of the palm oil supply chain of Cameroon, is with the objective to sensitize and train the cooperatives on the different cooperative management models to ensure effectiveness and efficiency in delivering on their mission. To Mr. Durrell Hallison, Business and Industries Coordinator, it is difficult for smallholders to be organized. I think the main problem, especially when it comes to smallholders, is the fact that if you really want to build them, if you really want to make them as drivers of development, they need to be organized. Unfortunately, smallholders have been functioning with, especially with large agro industries, more on an individual basis. We've realized in Cameroon, just like across the world, that the smallholders are local farmers. And if you want to fight poverty in the rural areas, then you have to work with them. According to Mr. Takan John, executive director of this NGO, the program doesn't end with the workshop. We'll train them on how to do business plans, but also accompany them through the process of developing those business plans. Mr. Yumeto Mumba, member of Smallholder Corporation, says this workshop comes at the right time, given some challenges faced by some smallholders. The farmers decided to go into their own personal milling and now have big mills, and to form a cooperative now to bring those big farmers together, it is like posing a problem. This workshop is going to help us, because by inviting my cooperative to this workshop, already made members to see that we are recognized. With all said and done, it is certain that the Cameroon palm oil production rate will increase in the future. The period of recess for Cameroon's members of parliament and senators, which began on the 9th of April 2016, a day after the end of the March session, has been a time of deliberation between parliamentarians and the population of their different constituencies. They are very surprised because they were expecting a bill, as there has been calls for the anticipated reconciliation. They are expecting that touchy thing. As far as my militants are concerned, will not happen because they want the actual president to finish with his mandate. The population of the Ndian Division, southwest region of Cameroon, have come up with certain expectations from Cameroon's parliament this June session, in line with the recently organized economic conference on business investments in the country. You have farm to market roads, you also have the issue of rural electrification, you have water, you have health, you have the construction of classrooms. These are things that I will definitely have to meet the various ministers concerned. I present these demands. Microproject funds put at the disposal of parliamentarians have been used to provide basic needs. I went to the church, Catholic Church of Sum, where I gave funds for the building of the church. And I went to the Lycée Bileng of Mboyom, where I gave some benches and computers. During the period of recess for MPs and senators between April the 9th and June the 1st, 2016, Senator Matute Daniel Lyonga from the Southwest region says decentralization is not much of a reality in the Southwest, and that there is a lot of in-house fighting between mayors and councillors. Such a remark has also been made by one of the vice presidents of the Senate, Senator Paul Chachuang. The first press cards will be issued to journalists and technicians by the end of June 2016. This applies only to those who have met the requirements of the Press Card Commission. Over 700 documents that have been submitted by various media organs are under review by the Commission. We still examine the document that the journalists or the cameraman have submitted. We started our work on the 16th of May. We are continuing the examination. By the end of the day, we will come out with the list of those of journalists or technicians who have fulfilled all the conditions required. A website has been created where the list of journalists and technicians who have been recognized by the commission will be posted.
This is to ensure that both Cameroonians and foreigners can assess it and identify who is a journalist or a technician in Cameroon. Going by members of the Press Card Commission, the press cards would distinguish qualified journalists from citizen journalists and make the profession gain its pride of place in society. L'enregistrement des marchés publics, des lettres de commande et bons de commande administratifs ne se feront plus comme avant, encore moins l'enregistrement des transactions immobilières. À compter de ce 1er juin, les opérateurs économiques et les notaires devront se plier à la déclaration fiscale électronique. Globalement, il s'agit d'un thème relatif à la modernisation et à la simplification des procédures à la Direction générale des impôts. Et plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation du système de délivrance rapide des quittances à la Direction générale des impôts. Globalement, la loi de finances 2016 a prescrit que désormais, les centres des impôts devraient instantanément délivrer les quittances aux contribuables à la présentation d'un document que la banque devrait délivrer qui s'appelle attestation de virement. Cette réforme réduit le contact avec les agents de l'administration fiscale et offre plus de flexibilité aux contribuables quant au lieu et au moment de la déclaration avec un service disponible 24 heures sur 24 et réduit de manière substantielle le temps consacré à l'enregistrement des actes. Pourtant, les délais de transaction dans les banques et le trésor public inquiètent les contribuables. Lorsque la télédéclaration a été faite à temps, c'est-à-dire au plus tard le 15, et que le virement également a été fait dans le même délai de temps, le contribuable devrait avoir une pression de pouvoir déposer ses documents au niveau des impôts à la date du 15 au plus tard. L'administration fiscale a reçu par ailleurs que sont prises des mesures d'accompagnement qui consistent en une assistance permanente à travers l'installation des kiosques dans les centres des impôts. Une première au Cameroun, tout un arrondissement non-fumeur, la commune de Bamenda 1er, compte pour accompagner ses actions de particuliers, à savoir des gestionnaires de restaurants, nightclubs ou des transports publics où il est possible de retrouver la mention « interdit de fumer ». Quand vous fumez à côté d'une personne dans un lieu public, elle a même de vous dire « monsieur, s'il vous plaît, ne fumez pas à côté de moi parce que ». Et généralement, les fumeurs, ils sont très compréhensifs. À l'absence d'un test de loi définissant les espaces fumeurs ou non fumeurs, des administrateurs publics et parfois privés décident de contraindre les fumeurs à ne pas allumer leurs cigarettes dans des espaces de travail. La communauté urbaine de Yaoundé, pareil avec tous les bâtiments qui lui sont rattachés. Vous avez le ministère de la Santé qui est un espace non fumeur. Vous avez le ministère de l'Éducation de base qui a signé un arrêté dans lequel il demande que tous les établissements scolaires relevant de ce département ministériel soient des espaces non fumeurs. Donc maintenant, nous sommes en train de travailler également sur l'application de ces différents arrêtés. Que ce soit en tant que fumeur, actif ou passif, les conséquences ne font guère de différence, il n'existant aucun niveau d'exposition au tabagisme qui ne soit sans danger pour la santé. Encore plus alarmant quand on sait que 6 720 000 personnes sont exposées à la fumée secondaire du tabac dans tous les lieux publics. La seule méthode efficace pour protéger le public du tabagisme passif serait alors de voter des lois d'interdiction totale de fumer concernant l'ensemble des lieux publics et de travail intérieur. Le marché des poulets de Bolova n'existe plus. Il a été détruit dans la nuit du 31 au 1er juin dernier suite à des prélèvements effectués ici ce même 31 mai. Par des équipes du ministère des Pêches et de l'Élevage suite au décès des centaines de poulets ici depuis le 21 mai dernier. L'opération avait pour but la vérification du virus H5N1 chez ces sujets. La destruction qui s'est faite notamment a été amèrement appréciée des commerçants de cette volaille qui en plus ont vu leur comptoir détruit. Par rapport à l'histoire de la grippe aviaire qui sont arrivés hier, bon, ils ne nous ont pas fait comprendre qu'ils allaient détruire le site où nous exerçons notre activité. Ils ont fait juste comprendre qu'il y a la grippe aviaire déjà et que l'on va, mais on ne savait pas que c'est dans cette étape qu'ils allaient laisser les choses. Et pourtant, suite à une réunion tenue la veille, il avait été en accord avec les commerçants, question d'assainissement de la destruction de la volaille. Les poulets infectés, assainis, nous devons faire le vide sanitaire.
on était d'accord. Juste à la même à la conférence, on était là où on a fait la conférence hier soir, on était d'accord. Chose curieuse, on arrive dans la soirée et tue les poulets verts dans le camion. Non sur le marché, non sur on a après c'est le caterpillar qui vient détruire. On n'a pas parlé de détruire les maisons. Pour l'heure, la destruction des cheptels de poulets se poursuit à Ebolova et ses environs. En attendant la confirmation officielle de la maladie de la grippe aviaire H5N1 à Ebolova. Loin d'être un artifice pour décourager les consommateurs d'une part et les détaillants d'autre part, la grippe aviaire existe bel et bien et a déjà trouvé refuge dans un site identifié dans la région du centre où lui dit « Mvorbiti ». L'on annonçait encore il y a quelques jours, et ce de manière officielle, la mort de plus de 15 000 poules sur environ 33 000 dont régorgeait cette ferme et dont les restes, selon les sources officielles, avaient été incinérés pour éviter une éventuelle propagation de l'épidémie sur d'autres régions du pays. Une alerte qui a amené les autorités à interdire la vente du poulet dans le Fundi. Occasion saisie pour nous interroger sur les symptômes de la grippe aviaire. La grippe est caractérisée par une hyperthermie dont la forte fièvre. Les animaux font de la conjonctivite, le nez coule, donc ils font du sneezing, ils font de la diarrhée hémorragique. Donc tout ce qui est traché, tout ce qui est tube digestif est hémorragique et les animaux meurent en série. Une fois que ces signes sont remarqués, l'éleveur a une conduite à tenir. L'éleveur en première intention, dès qu'il trouve des animaux prostrés, fatigués, qui ne mangent pas, dont la ponte baisse et qui commencent à mourir, ce qu'on lui demande, c'est d'alerter le vétérinaire qui est outillé pour pouvoir déjà faire son diagnostic différentiel. Il est aussi à noter que la grippe aviaire ne présente aucun grand risque pour le moment pour la santé du consommateur pour des raisons suivantes. Il faut être en contact permanent avec le poulet pour pouvoir attraper la grippe si ce poulet est infecté. Donc il n'y a aucun risque pour le consommateur pour le moment. Toujours est-il qu'il faille être vigilant et adopter des comportements hygiéniques avant toute consommation des produits avicoles. La quatrième édition de la journée de l'excellence, de la recherche scientifique et de l'innovation du littoral s'est ouverte ce mercredi 1er juin et ce jusqu'au 3 juin 2016 dans la ville de Douala sous le thème « Les innovations technologiques comme facteurs de conservation et de sauvegarde de l'environnement et de la compétitivité des entreprises dans le littoral ». Et pour déjà valoriser les résultats des chercheurs. De la pharmacopée aux cultures vivrières, en passant par l'électrotechnique, les chercheurs issus de la région du littoral ont répondu présents par centaines afin de faire découvrir aux populations les résultats concrets de leurs recherches. En marge des expositions, une conférence est tenue regroupant les experts de la recherche ayant à l'ordre du jour la recherche technologique, la compétitivité et la création des emplois, d'où il en ressort les problèmes rencontrés par les chercheurs. Mais le principal, c'est un peu les infrastructures et les structures de vulgarisation de nos résultats. Parce que beaucoup est fait, beaucoup de laboratoires existent, mais il manque des équipements. Mais il y a aussi des résultats. On n'a qu'à voir un peu avec le taux de croissance qui est aujourd'hui dans les 5% voire 6%. C'est une approche très importante. Et de même qu'on n'a qu'à voir sur nos différents marchés aujourd'hui, on a un peu une espèce de réduction de l'insécurité alimentaire. Parce que je peux vous assurer qu'au Cameroun, aujourd'hui, dans tous les marchés, tout le monde consomme du maïs, tout le monde consomme les produits camerounais issus de la recherche, dont l'IRAD et ses démembrements que sont le carbap et les autres. Pour cette quatrième édition des Jersey, il s'agit donc d'assurer l'assémage et la polémisation, les cercles vertueux et les aménités positives de la recherche et des innovations technologiques au plus près des populations, des organismes de recherche publics et privés, ainsi que des entreprises. À vos marques, prêts, partez aux différentes associations et comités locaux d'hygiène et salubrité de l'arrondissement de Douala 1er. Tous les mercredis de 6h à 9h, tous devront balayer, désherber, vidanger, désinfecter, dératiser, passer des coups de pinceau, bref, assainir et rendre la vie plus saine dans l'arrondissement de Douala 1er pour espérer remporter le concours à la fin. L'environnement dégradant par endroits, le désordre urbain, les caniveaux qui sont complètement bouchés. Alors, il s'agit donc pour chacun, parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de manière individuelle de tout le monde.
Chacun doit s'impliquer, s'approprier cette opération pour que Douala Premier soit véritablement premier en matière d'hygiène de salubrité. À terme, il est attendu une appropriation par les populations des réflexes quotidiens de propreté, des mœurs d'hygiène et de salubrité. Un concept qui est déjà à sa 3e édition, la journée hebdomadaire de propreté intégrale de l'arrondissement de Douala Premier, qui a été lancée ce 1er juin 2016 à l'esplanade de la mairie à Deido. Pour cette année, des outils de travail appropriés ont été remis aux différents concourants. Et créer une plateforme d'échange entre étudiants des filières professionnelles et des entreprises, potentiel les recruteurs. C'est en cela que se résume la raison d'être de la journée de management ouverte ce mercredi 1er juin 2016 à l'Institut universitaire de technologie dans la ville de Douala pour une durée de 3 jours. Une rencontre qui permettra de rapprocher les apprenants, futurs employés, des chefs d'entreprise auprès de qui sera exposé le savoir-faire de ces derniers dont l'emploi n'est toujours par un acquis après l'obtention des diplômes. Ces journées arrivent donc à point nommé. Il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui ne trouvent pas un emploi ou qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde professionnel. Alors on s'est posé la question de savoir à quoi cela était dû. Et la réponse qui est apparue après nos investigations est celle de l'inadéquation entre les attentes des entrepreneurs et peut-être les formations reçues par les apprenants. Il est question de briser cette barrière en mettant sur pied de tels forums pour donner l'occasion aux hommes d'affaires et entrepreneurs d'exprimer leurs désirs et leurs visions des choses et leurs attentes par rapport à leurs futurs employés. Parce que les entrepreneurs ont bel et bien besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir être performants et répondre à leurs critères de compétitivité. Et les étudiants également ont besoin de faire valoir leurs compétences, des compétences acquises au cours d'un cycle. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'architecture du personnel dans les PME et qui constitue l'essentiel des entreprises au Cameroun, le gros des troupes se recrute entre les cadres d'un côté et le personnel moins qualifié de l'autre. Voici à quoi ressemblent les va-et-vient des véhicules en partance ou en provenance de Yaoundé à quelques encablures du pesage des DA. Les chauffeurs préfèrent, dans la plupart des occasions, rouler en sens inverse pour éviter les doudanes, ce qui n'est pas loin d'occasionner des problèmes dans la circulation routière et même des accidents. Les doudanes, érigées pour ralentir toute vitesse et réguler la circulation à cet endroit, où le trafic routier est très intense, ne servent presque plus à rien, car les usagers sont de plus en plus inciviques, au point de manifester toute indifférence face aux multiples dangers que pourraient engendrer leurs actes d'incivisme. Le chef de station de paysage et les autorités de la ville sont dépassés et sollicitent un poste de police à ce lieu indiqué pour permettre aux fidèles de la route de se familiariser aux us qui régissent l'usage de la route, pour permettre aux fidèles de la route de se familiariser aux habitudes qui régissent l'usage de la route à ce lieu bien précis. L'infrastructure devant abriter le laboratoire régional de métrologie prend progressivement corps à Yaoundé. Un an après la pose de la première pierre, la phase réservée aux travaux du génie civil vient de s'achever. La prochaine étape sera consacrée au lot technologique, puis viendra l'acquisition du matériel et le recrutement du personnel. Mais en attendant d'y parvenir, à la Nord, l'on rassure que les étalonnages des appareils de mesure viendront répondre à la question de la réglementation des instruments de mesure utilisés dans nos marchés. Eh bien, ce laboratoire national de métrologie est un laboratoire qui va permettre d'avoir des étalons pour qu'au Cameroun, on puisse raccorder et avoir confiance au niveau international les instruments de mesure dans le domaine du pesage, des volumes, des températures, de l'électricité, de la pression pour les gaz industriels par exemple. Aujourd'hui, les acteurs économiques du Cameroun sont obligés d'aller à l'étranger pour raccorder leurs instruments de mesure. Comme ça coûte cher, beaucoup ne le font pas. C'est forcément au détriment des consommateurs. Là, ils vont pouvoir le faire sur place,
dans le pays. Ça sera donc beaucoup moins cher. Comme ce bâtiment est assez compliqué, eh bien, il n'y en aura pas dans tous les pays, c'est certain. Il va donc servir très rapidement de référence à toute la sous-région de l'Afrique centrale. Cette infrastructure permettra au Cameroun de booster ses performances économiques et la compétitivité de ses entreprises qui se heurtent à de nombreux défis sur le marché international. Notamment les défis de mise en œuvre des accords de partenariat économique, les défis, n'est-ce pas, de participation de manière efficiente, n'est-ce pas, à la zone de libre-échange au niveau continental. Le bâtiment fini, équipé et doté d'un personnel sera livré d'ici la fin de l'année 2017.